Passer le cap de la cinquantaine, soit arriver à la moitié de sa vie, c'est déjà compliqué à encaisser. Alors apprendre que l'on va devenir grand-parent peut rendre la chose encore plus difficile. Des stars l'ont vécu, mais pour leur plus grand bonheur. Pierce Brosnan plus suivre ne plus suivre Whoopi Goldberg plus suivre ne plus suivre quand on est connu, tout ne se passe pas forcément comme on le souhaite. Ce n'est pas parce que vous êtes adulé par une grande partie du monde que des événements inattendus vous sont toujours épargnés. Certaines célébrités sont bien placées pour le savoir, notamment d'un point de vue descendance. Devenus parents précocement, par surprise ou pure volonté, des acteurs et actrices ont vite endossé le rôle de grands-parents. Avant l'âge de 50 ans. Celle qui détient la palme s'appelle Whoopi Goldberg. L'icône des Eastéactes est devenue grand-mère à 34 ans seulement. Un fait qui s'explique par l'arrivée de son premier enfant quand elle n'avait que 18 ans. Mais l'actrice américaine adore et déjà pris une belle avance sur tout le monde puisque sa petite fille est elle-même devenue maman à 21 ans, lui offrant ainsi l'étiquette d'arrière-grand-mère, à 55 ans. Autre championne en la matière, Jade Jagger. La fille de Mick Jagger a eu son premier enfant à 22 ans. En devenant encore maman d'un petit Ray en 2014, elle eut également l'honneur de devenir grand-mère à 43 ans avec la naissance de sa petite fille Ezra. Vieux avant l'heure, Pierce Brosnan n'est pas en reste. Le célèbre interprète de James Bond se faisait déjà appeler papy en 1998, dès l'arrivée de sa première petite fille Isabelle lorsqu'il avait 44 ans. Une mission loin d'être impossible pour l'acteur. Charlie Sheen était papa de jeunes enfants quand il avait 47 ans, moment où sa fille Cassandra, 20 ans, a mis au monde sa fille Luna. Ou comment transformer mon oncle Charlie en super grand-père. David Bautista, acteur des Gardiens de la Galaxie, Avengers ou encore Blade Runner 2014, a été papa à 21 ans. Un heureux accident qui a donné au tas de muscles deux petits-fils, Alden et Jacob, à l'âge de 45 ans. S'ils n'ont pas le droit de faire les malins avec papy, ils sont au moins sûrs d'une chose, à ses côtés, rien ne peut leur arriver.